je vais vous poser ici comme ça. Oh. Là, comme ça, tu bouges pas. C'est pas très pro tout ça. Non mais tu restes. Je vais jamais réussir à faire ma vidéo, ça c'est sûr. Bon les amis, je me dépêche parce qu'il y a ma fille ici, elle fait n'importe quoi. Alors, j'en ai marre. J'ai 21 commandes à faire avant Noël. Je vais finir 2 commandes aujourd'hui sur cette vidéo là. Je ne sais pas si je vais réussir à finir ma deuxième commande, mais je vais au moins finir une seule pour aujourd'hui. Et j'aimerais faire quelque chose aussi. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est un petit projet. On va voir ça après parce que là, je ne suis pas sûre, peut-être que je ne vais pas réussir, mais je pense que si, on verra. C'est parti. Je présente ma petite commande. J'ai déjà fini le line hier. J'ai travaillé jusqu'à 1h du matin et ça donne ça. Je n'ai pas montré encore à la cliente, mais je pense qu'elle va aimer si elle n'aime pas en change. Et je vais faire ça pour aujourd'hui. Je suis sûre que je vais terminer, il n'y a pas de doute. Mais voilà, c'est tout. C'est un petit logo. C'est parti!
d'amour ou c'était juste de... d'apprendre à rester trois ensemble? Ah oui, c'était quand même une histoire d'amour. Et vous êtes senti comment quand il vous a dit ça? Elliot? Très mal. Hyper coupable. Et en même temps, j'étais dans ma folie. Voilà, je suis partie dans ma folie, quoi. Je l'ai emmené au Maroc avec moi une semaine. Crédit, il s'est installé chez moi. Et puis, voilà, puis, il m'a redonné confiance en moi, en fait. Il me disait que j'étais belle. Enfin, voilà, gentil, vivant. Complètement. Mais il savait, vous saviez, Elliot, qu'il était parti à Marrakech avec. Non, je ne le suis pas prêt. Mais j'ai bien compris que ça continuait tous les deux parce que finalement, on a continué un peu les vacances ensemble. Et bah, le fait d'être énervé contre eux deux, ils sont restés tous les deux dans leur coin. On flirtait ensemble, on a continué un peu. Moi, je suis pas prêt. Au début, vous êtes resté un petit peu. Tu m'as dit partir. Voilà, j'étais pas content, j'étais absolument. Ouais. Que nous puissions être tranquilles dans la maison, de pas voir ça, parce que j'avais mon petit frère aussi à ce moment-là, qui est plus jeune que moi. Et... Vous étiez fâché, hein? J'étais fâché, je voulais pas qu'il voit ça, je voulais pas. Enfin, c'était honte? J'avais pas spécialement honte, mais j'étais agacé, vraiment, de côté un peu irrespectueux, en fait, de voir ça. Et quand je leur disais, s'il vous plaît, faites pas ça devant nous, ils étaient tous les deux dans leur folie, à sourire, et vraiment comme des enfants de 16 ans, à parler dans le vide, en fait. Quel cheminement vous avez fait pas? Bon, j'ai terminé, ça donne ça. Voilà, je vous montre de tout près. Alors, voilà, en gros, ça donne ça. Maintenant, je vais envoyer ça à la cliente et je vais faire l'autre commande. Bon, les amis, nous sommes le lendemain. J'ai finalement décidé de faire la création, l'illustration de ma Barbie. Ça donne ça et ça m'a pris 2h30. Je suis au bout de ma vie. Je voulais dire quoi encore? Je suis juste à fond dedans, je veux juste terminer ce dessin parce que je veux vraiment avoir un beau résultat et je vais pas abandonner. Et en gros, la Barbie, c'est elle. Voilà. Et c'est parti, je vais faire ça avec vous. Et hier, j'ai envoyé, j'ai terminé le logo que j'avais fait. J'attends juste le mail de ma cliente et après c'est bon. En fait, c'est décidé, toutes mes vidéos je vais faire en mini vlog, c'est encore mieux. Je vais vous montrer, je vais pas faire que sur le même dessin. Bon, parfois je vais avoir des vidéos sur une seule création, mais là je vais faire plutôt des vlogs parce que j'ai plein de choses à expliquer, alors c'est mieux de faire comme ça. C'est parti de mettre les bases de colo sur cette création. Alors le truc cool, c'est que je suis vraiment en avance sur mes commandes alors que j'en avais 22 à faire. Je suis en avance de fou. Alors je peux me faire plaisir, je peux faire des créations et faut vraiment que je dois mettre des choses sur mon compte Instagram parce que ça fait longtemps que je poste plus rien. Alors voilà. Et c'est bien pour s'améliorer, c'est toujours bien. Voilà, c'est parti. Ah oui, je dois faire la chaussure aussi là. J'ai ma référence ici devant moi. Elle a les chaussures. Ok, comme ça. C'est parti.
j'étais dehors et j'ai reçu 3 colis. Je pense que c'est une coque Demon Slayer et une coque pour mon Apple Pencil. On va voir tout ça. Alors, je vais où ? Ah, c'est une coque, ça se voit. C'est objet, c'est ça. Ça. Oh, elle est trop mignonne. Oh, je suis trop contente. Elle est trop belle. Ok. Oh, c'est mignon. Ah ouais, ça c'est bien ça. J'en ai 2. Voilà, je vais essayer ça avec vous. Oh, ça se met comme ça. Attendez, c'est sale. Ok. Nickel. Et ça comme ça. Oh, c'est mignon. Oh, c'est trop cute. Et j'ai acheté tout ça sur AliExpress. Voilà. Il y avait en noir aussi, mais je me suis dit que on va pas trop voir en fait la tête du petit canard. Alors j'ai décidé de prendre en blanc. Voilà. C'est trop mignon. Alors, j'ai oublié de vous montrer la suite. Voilà, parce que j'ai coupé pour faire un TikTok et ça donne ça, mais c'est pas terminé encore. J'ai vraiment du travail à faire dessus. Je suis à 3 heures de dessin là, alors que je suis juste à la colle de base. J'en peux plus. Voilà.